Dalton est arrivé juste à temps pour se rendre au sanctuaire, livrer l'ultime bataille avec ses compagnons d'armes. À la surprise générale, Shiryu est déjà au sanctuaire, prêt à se battre contre les forces du mal, malgré sa cécité. Mais pour arriver jusqu'au grand pop, nos amis vont être obligés de traverser les 12 maisons du signe du zodiaque, protégées chacune par un chevalier d'or. Profitant d'une attaque surprise, le chevalier Trémy décoche une flèche d'or dans le cœur de la princesse. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on regarde une vidéo Saint Seiya. On commence donc notre série des chevaliers d'or. Enfin, c'est parti pour l'ascension du sanctuaire. Hein. Première maison, celle du bélier, comme vous pouvez le voir. Donc, on a Mu du bélier. Une Miss Close classique, hein, donc les premières qui sont sorties. Donc, c'est pas la taille EX ou X, comme vous l'appelez. Et donc, voilà. La boîte de la figurine, donc ici, jaune doré, comme on le connaît très bien. Et avec ici la photo de la figurine elle-même, et ici du personnage sorti de l'anime ou du manga. Sur le côté, donc, on a évidemment la Pandora Box, enfin le symbole du bélier. À l'arrière, quelques images de la figurine dans différentes positions, ainsi que du totem qui peut être construit aussi avec cette armure. Et ici aussi l'autre côté qui est en fait aussi la Pandora Box du bélier. La partie d'en haut ressemble à ça. Mu de Jamir, le chevalier d'or du bélier. Donc version française, européenne on va dire. Ici voilà. Et comme d'habitude, l'intérieur, ça s'ouvre et on a la figurine en display, comme ceci, avec d'un autre côté le totem et quelques parties de l'armure un peu éparpillées tout autour. Donc voilà, bon, et ben maintenant je vais la monter et on se retrouve tout de suite pour la mettre dans une pose. Allez, c'est parti. Alors avant le montage, j'ai oublié de vous montrer juste deux trois petites choses. La cape horrible qui venait avec ces Miss Close là. Donc une cape, ouais, c'est un bout de tissu, c'est même pas du tissu, c'est, on dirait du papier à limite, mais c'est ce qui vient, c'est ce qui s'attache à l'arrière. Pas terrible, hein, comparé maintenant aux EX qui, bon, ont des capes en plastique, dures et très jolies, mais bon voilà, à l'époque c'était ça. On a évidemment le manuel, avec sa traduction en français, puisque c'est une figurine de version française, donc voilà. De l'autre côté aussi, évidemment. Voilà, et puis voilà, bon, la version originale en japonais. Ici, on a les instructions pour monter l'armure sur la figurine ou sur le totem. Et ici, à l'arrière, quelques infos, ainsi que d'autres figurines de la même gamme. Donc voilà, c'est parti pour premier chevalier d'or, hein, des 12. Celle donc du chevalier du bélier, et on va partir sur un montage d'armure. Et donc c'est du classique comme d'habitude, vous connaissez, mais je vais vous reprendre du coup pour la pause, on va la faire ensemble. Allez, à tout de suite donc cette fois. Donc voilà la figurine montée en armure avec le casque sur le côté, car j'ai l'intention de la mettre sans le casque. On la voit souvent, moi j'ai pas lu le manga, j'ai surtout regarder l'animé, hein, comme beaucoup d'entre nous. Et on le voit souvent, c'est surtout sans son casque, donc je préfère le mettre sans son casque, en tout cas pour l'instant. Et autre chose que je voulais vous montrer aussi, c'est que dans cette version, vous pouvez aussi le mettre, moi j'ai mis les cornes donc de l'animé, mais vous pouvez aussi le mettre avec les cornes du manga. Parce que dans le manga, les cornes sont un peu différentes, elles sont comme ceci, avec des traits. Donc voilà. Vous avez aussi l'option de le faire comme ça. Et il y a aussi des accessoires, donc ces petits outils qu'il utilise donc pour réparer les armures des chevaliers, puisque c'est son rôle. C'est son rôle aussi donc de réparer les armures cassées, donc vous avez aussi l'option de le mettre avec ces outils dans les mains. Donc on va passer maintenant au montage, j'ai ma petite idée, donc un truc assez simple d'ailleurs, qui ressemble un peu maintenant, je remarque, à ce qui est sur l'avant de la boîte, c'est-à-dire le casque à la main, une position simple. On va essayer plutôt que le mettre
les jambes écartées comme sur la boîte, on va plutôt essayer de mettre les jambes un peu plus resserrées pour avoir une position plus élégante. Puisque bon, c'est un personnage qui est assez élégant, on ressemble pratiquement à une femme en plus avec ses cheveux longs. D'ailleurs, je crois dans la version française, les premiers épisodes où il apparaît, il a comme Sean dans ses premiers épisodes aussi, une voix, c'est une actrice féminine, une femme qui fait la voix dans les premiers épisodes où il apparaît, donc voilà, d'où l'erreur. Mais donc voilà, j'ai pensé peut-être plutôt une position, donc les jambes plus resserrées. J'utilise donc les gants pour éviter avoir nettoyé la figurine, vu que c'est tout du brillant. Les traces de doigts, elles apparaissent vite. Donc pour pas avoir, une fois que la position est mise, à re-estiquer la figurine, je mets les gants comme ça, il n'y a pas ce souci-là. Pour une question d'information aussi, pour savoir les pièces en métal et en plastique, eh bien en fait tout est en métal. Tout est en métal sauf l'intérieur qu'on ne voit pas de la ceinture pour fixer ces pièces-là. Et les cornes qui sont là, ainsi que les petites épaulettes sur le côté. Ça, c'est les seules parties en plastique. Tout le reste, c'est du métal. C'est du full métal. Voilà, à l'arrière, il n'y a rien. À part une petite encoche pour mettre les cornes aussi, mais bon, c'est qui est en plastique. On va dire que ça fait partie des cornes. Je vais peut-être zoomer un peu plus. Et on va partir donc sur une position. Donc, on va essayer de le faire tenir déjà comme ça. Donc les jambes plus serrées. Alors bon, c'est bien travailler avec les gants. Hein, ça évite donc de nous voir renettoyer la figurine après l'avoir mis dans la position qu'on veut. Et aussi à long terme, ça évite d'abîmer les pièces en métal. Mais c'est pas facile, on a moins de sensations dans les doigts, donc les pièces glissent, c'est beaucoup plus difficile à travailler avec des gants. Mais bon, c'est mieux je pense. Rien que pour le fait de ne pas avoir renettoyé la figurine une fois que vous l'avez mis dans une position qui vous semble bien. Et surtout pour les figurines qui ont des pièces qui tombent tout le temps. On est content une fois qu'on a trouvé la bonne position de ne plus y toucher, de la laisser en vitrine comme ça. Donc si après il faut encore la nettoyer, les pièces vont retomber et ainsi de suite, et puis on n'en sort pas. Donc voilà, peut-être les bras un peu comme ça. Tac. Jambe droite, c'est pas facile, hein, c'est... Ouais. Pièce qui est descendue, celle-ci aussi, du coup, on essaie de remonter le tout. Il n'a pas de genouillère ce personnage, hein, c'est... Sa jambière fait la genouillère aussi, donc c'est déjà une pièce en moins qui tombe. Alors, on va essayer de le redresser aussi. Voilà. Donc est-ce qu'on arrive à faire quelque chose avec ce personnage? J'ai l'impression aussi que sur ma figurine, les chevilles sont un peu souples. Elles tiennent, hein, elles tiennent le poids de la figurine et tout, mais je sais pas, j'ai l'impression que bon voilà, c'est pas trop mal comme ça. Comme ça, voilà, je vais mettre son bras replié comme ça. Ouh, donc ça c'était mal fixé évidemment. Voilà, comme ça. Donc désolé, reprise, j'ai eu un petit problème de carte mémoire qui s'est rempli. Donc voilà, on continue avec notre montage de la figurine de Mu du Bélier. On avait trouvé une position pas trop mal et on va juste essayer de lui remonter sa main pour pouvoir tenir le casque. D'accord, cette main elle veut pas tenir. Alors... On va le coucher pour essayer d'éviter de trop bouger ses jambes et de lui remonter un max ça, son avant-bras, son armure, parce que c'est peut-être ça qui bloque. Et voilà, ça devrait tenir, j'espère, voyons. Voyons voir. Alors, on en était à la main. Non, ça veut pas tenir. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Pas plus.
Là, je crois que c'est bon. Là, je crois que c'est bon. Mais bon, ça m'a fait bouger les jambes, du coup. On repart pratiquement de zéro. Quoique non. Comme ça. Cette cape est vraiment ignoble. Hein. On a trop peur de, en bougeant d'y mettre un pli, vu que c'est tellement comme du papier en fait. Donc ouais, ça aide pas non plus. Très facile à monter, hein, il y a deux clips à l'arrière, ça s'emboîte et c'est fini. Mais c'est moche quoi, je veux dire, c'est quoi ça? Bon, ça c'est bon, ce bras là c'est pas bon du tout. Comme ça, oh, allez, les jambes sont plus si bien comme avant, dommage. Une derrière, une devant. Ça, on essaye de le redresser. Voilà, pied, jambes tendues. Pied comme ça. Ouais, pencher vers l'arrière. De devant, ça fait pas trop mal, mais pas ça, c'est pas ça. Donc, on recule. On met comme ça. Hop. On met ensuite ça. Là, 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 là. Le problème c'est que la taille ne tourne pas, hein, vu qu'il a une armure complète ici. Donc on peut pas le mettre comme ça sur le côté avec la taille qui tourne sur le côté. Donc faut essayer de ruser en trouvant une autre solution. Peut-être comme ça. Comme ça. Voilà. Ça c'est pas si mal, hein. C'est pas si mal, non? Ah, et la pièce d'armure qui retombe. Ah là là, les mid-clos, les miss-clos, plaisir à monter, hein. Alors que ça devrait être un moment de de relaxation. Bon, ça l'est, hein, mais ça pourrait être tellement plus simple. Dire, je vois ça avec les figuarts et tout ça, on les met dans une position qu'on veut, hop, ça y reste, ça, pas besoin de trop trifouiller. Ici on a du mal parce que on bouge un truc, un autre qui tombe. Voilà, maintenant est-ce qu'on arrive à poser son casque correctement? Allez. Tac. Le casque est en plastique, je sais pas si je l'avais déjà dit. Le casque est en full plastique. Du mal à le tenir avec les gants justement. Tellement il est léger. Alors le casque comme ça c'est moche. On va essayer de le mettre. Aïe aïe aïe. Comme ça. Voilà. Là, ça m'a l'air pas trop mal. Je le tourne vers vous. Comme ceci. La cape moche. Bon. Voilà, comme ça. Comme ça, ça m'a l'air pas trop mal. Adresse. Voilà, comme ça m'a l'air pas trop mal. Tournez plus. Vers vous. Ça a tout bougé, je crois. De toute façon, off, le poids. Ouais, l'articulation du bras aussi est un petit peu. Voilà. Le casque ne pèse rien du tout. Mais vous avez vu que. Bon, je pense que c'est surtout le poids de cette pièce d'armure, hein, qui le fait baisser. C'est pas le poids du casque puisqu'il pèse rien. Il pèse vraiment rien. Mais bon.
à refaire. Voilà. Voilà. Là, c'est mieux. De toute façon, il va aller en vitrine. Je vais vous le montrer en vitrine, donc ça va devoir rebouger. Mais bon, ça vous donne une idée de un peu de la pose que j'ai en tête. Et puis voilà. Donc, ben, allez, sans plus tarder, vous avez compris, je pense. Mais on va voir ça maintenant, ben, pour le final de cette vidéo, en vitrine, sur le diorama. Allez, c'est parti. Et voilà, Mu du Bélier, donc dans le décor. Hein. Voilà la pose que je lui ai trouvée. Comme je vous avais dit, un peu plus ou moins. Plus ou moins comme je vous l'avais dit. Hein. Comme je vous avais montré juste avant. J'ai juste changé l'orientation du casque qui est maintenant tourné vers l'avant plutôt que sur le côté. Je pense que c'est mieux avec la gemme qu'il a juste. Verte juste devant là. Je pense que comme ça c'est mieux pour le casque aussi, on le voit mieux. Et du coup voilà, il est venu se mettre sur ce décor. Sur ce décor avec la princesse Athéna et deux Pandora Box derrière qui n'ont rien à faire là mais qui sont restés là pour l'instant puisque j'avais avant les chevaliers V3 si vous vous souvenez dans mes précédentes vidéos. Donc voilà, ben, première maison. Des chevaliers d'or de traversée, celle du bélier, hein, donc c'est fait. On part maintenant en direction de la suivante, donc pour la prochaine vidéo de Senseiya. Donc jusqu'à là, je vous remercie d'avoir regardé celle-ci. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires comme d'habitude, à vous abonner à ma chaîne aussi si vous venez de découvrir ma chaîne avec cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt, encore merci et à la prochaine.